ta deuxième. Il est dur le jeu. Putain. Je sais pas si on peut. Si on peut dormir. J'ai envie de retourner dans l'autre refuge. Ouais, mais... J'ai envie de retourner dans l'autre refuge, mais. Le souci va être là en fait, c'est que je sais pas comment ça va exactement se passer. Parce que je sais pas si c'était obligé d'attendre la pluie ou pas en fait. Pourquoi ça met autant de temps à se. Parce qu'il est où le refuge déjà? Il est où le refuge? Ah putain, il est au-dessus. Ok, vu. Par contre, je sais pas comment j'ai fait pour monter. Je crois que j'étais parti tout à droite. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que j'étais parti tout à droite. Ah mais du coup j'ai reperdu mon point de vie, faut que je le récupère. Ouais, faut que je fasse gaffe. Ouais, ok. Gna 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 gna. Faut que j'essaye de trouver le moyen. Ah. Merde. Merde, merde, merde. Anna! Ah oh ouais, ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Petit chaton, merci à toi, petit chaton. J'adore ton pseudo, il est trop bien. Merci à toi pour ton follow, petit chaton. J'arrive au moment d'une mort. Et après, tu sais, je viens de commencer le jeu, hein, donc. J'ai encore un petit peu de mal avec le jeu. Tant que je prenne mes marques. Hop. Nye. Ça se voit, t'es au premier abri. Oui. Oui, j'ai un petit peu du mal. J'en ai atteint un deuxième, mais je sais pas comment faire pour dormir dedans. Je sais pas si on doit obligatoirement attendre la pluie pour dormir dedans. Et là, justement, j'essaie de le réatteindre. Oui, merde. Hop. Parce qu'il est par là-bas, je crois. Je sais qu'il va être indiqué. Il y a, deuxième abri. Que j'ai atteint, mais faut que je puisse le réavoir. En tout cas, bienvenue à toi sur la chaîne. N'hésite pas à prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire, et puis à profiter de ce live. Profiter de ma nullité, évidemment. Par contre, j'ai vraiment du mal à grimper. Hein. C'est impressionnant. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à grimper. Non, faut avoir toute la bouffe. Ah, faut avoir les 4 bouffes quand on rentre dedans. Ah, d'accord. Ça me dérange tant que tu t'amuses au jeu. Ah, d'accord. Pourquoi pas? Ouais. Hop, on va faire comme ça. T'as des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Ah bah attends, y'a un truc là. C'est des espèces de cailloux à mon avis à leur lancer à la gueule. Ok, un autre en bas. Ah mais j'en souviens de ce niveau. Comment j'avais fait déjà pour monter au-dessus, je sais plus. Ah ça c'est pas cool ça par contre. C'est vraiment un peu cool.
Fightez-vous si vous voulez, mais... Attends, comment j'avais fait? Tac. Ok, ouais, c'est comme ça, je me souviens. J'ai regardé les lignes. Putain, il y a un truc sur la gueule, l'autre, là. Attends, des autres, t'inquiète pas. Y'a pas de soucis, t'en fais pas. Et ouais, en vrai, le jeu, il est, franchement, il est esthétiquement, je le trouve incroyable. Je trouve vraiment très très beau esthétiquement le jeu. Parce que c'est du pixel art, mais le pixel art, il est quand même assez détaillé. Hop, moi je me casse, salut. Oh, j'étais à très vite me manier le cul. Dégage. Ça, c'est la triche, ça, par contre. Vas-y, tombe. Parfait. Parce qu'en plus, il y a l'autre con qui arrive là. Hop. Nye. Hop. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un truc avec de la bouffe? Putain, il y en avait de là de la bouffe. Merde. Putain, ouais, dans ce cas, je vais y retourner. J'ai pas le choix que d'y retourner. Sauf techniquement là où je suis safe, je pense. Ouh, pas tant que ça! Ouh, putain! Ouh! Au sec. Non! Oh le salaud! Je crois que les points bleus c'est la bouffe. Oui, c'est... il me semble avoir compris ça. Ah, triste! Bienvenue à toi, Nopana Drows, si j'ai bien prononcé ton pseudo. Ah, j'ai perdu ma manette. Nickel, incroyable. La manette, s'il te plaît. Quoi? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, alors j'ai tout perdu. Incroyable. Bonjour d'ailleurs, merci. Bienvenue à toi, n'hésite pas à aller chercher un petit truc à grignoter, puis un petit truc à boire, et puis à profiter de ma nullité sur le jeu. Parce que tu verras, ça sera beaucoup de morcons, hein. Ah, et le jeu a planté? Ah pardon, la console a planté. Nickel, super. Tout va bien. Hop, je vais régler ce petit problème tout de suite. Ne vous inquiétez pas, tout est maîtrisé. Tu vois les points à côté du symbole en bas à gauche? Oui, qui fait le tour, oui. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Après, évitez de trop me spoil. J'aimerais bien essayer de comprendre par moi-même les choses. Donc, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à ne pas me spoil. Waouh. Ah ouais, non, mais ça va le... Juste ma manette qui s'est déconnectée a tout fait cracher. C'est impressionnant, quand même. Oui, non, mais je sais que tu réponds pas. Ferme-toi. Merci. Par contre, tu peux... Hop. On va mettre ça en attendant. Du Outer Wild. Tant que je relance tout le bordel. Hop, juste deux petites secondes. Navré de ce petit contretemps. Mais rassurez-vous, ça va bientôt arriver. En espérant que vous, ça va... Vous connaissez bien le jeu, vous, du coup? Bah, j'imagine que oui, si vous me donnez des astuces et que vous êtes là pour regarder, j'imagine que vous connaissez bien le jeu. Donc en espérant que de voir quelqu'un le découvrir et qu'il soit incroyablement nul ne vous dérange pas. Ah non, par contre tu fais pas... Non, par contre tu t'ouvres, hein, s'il te plaît. Tu fais pas le coup que tu t'ouvres pas. Hein. Oh, il va pas s'ouvrir le coup. Parce que là j'ai streamé depuis la PS5, mais depuis la PS5 le problème c'est que j'aurais de une j'aurais pas accès à quoi que ce soit à propos du live. Ah, il veut pas s'ouvrir, mais putain, mais PSN qui me casse les couilles à chaque fois, mais c'est impressionnant. Tu as vu la vidéo de Polyart, j'imagine? Oui, totalement, et c'est pour ça d'ailleurs que je joue au jeu, parce que la description qu'il m'en a fait m'a énormément intrigué. Je crois en plus c'est un jeu sorti en 2017, et 2017 il y a aussi l'année de Gravity Rush 2 qui est sorti, et Gravity Rush, qui est littéralement ma saga de jeux vidéo préférée. Et du coup, je trouvais ça dommage qu'un jeu qui avait l'air d'être aussi incroyable
Donc vendu par Polyart. Je passe littéralement à côté. C'est pour ça que je voulais tester. Donc pour ça que j'ai acheté le jeu avec le DLC du coup. Pour le faire. Non, mais par contre, PSN, tu fais chier là. Sérieusement. Bon, attends, on va mettre la rediffusion. Du coup, re-YouTube, re la rediffusion YouTube. C'est bon, du coup, PSN a arrêté de faire chier pile au moment où j'allais abandonner. Nickel. Et du coup, le but, c'est de rejoindre l'autre abri, de récupérer tous mes PV et d'hiberner là-bas. Mais du coup, je sais pas si juste avoir tous mes PV là-bas, il va automatiquement hiberner. Ou s'il faut que j'attende la pluie quand même. Parce que s'il faut attendre la pluie, ça m'emmerde un peu. Du coup, c'est bon, nous sommes repartis. Désolé pour l'attente, hein, le chat. Vraiment navré. Ah, mais j'ai reperdu la manette. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Par contre, la manette, c'est pas le moment de t'éteindre au moment où il y aura des mobs. Hein. Courage. Ah, bah tiens, bah. Quand on parle du lézard. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont plus rapides que moi dans les tuyaux. Ouais, ils sont clairement plus rapides que moi dans les tuyaux. Hop. Au revoir. Ah, par contre, vous sortez des noms de créatures, je vais pas vous mentir que j'ai pas du tout. Après, j'ai regardé sans regarder parce qu'il était quasiment 5h du matin quand j'ai regardé la vidéo parce que j'étais littéralement devant mon boulot. Je t'ai vu, toi. Donc j'ai vite fait regarder sans regarder. Donc pour ça, je me suis pas trop spoil la vidéo de Polyart. Mais merci beaucoup à lui d'avoir fait ces vidéos et sache que, mec, je t'admire. J'aimerais beaucoup et énormément faire la même chose pour Gravity Rush et donner envie à des gens de le faire, Gravity Rush. Parce qu'en soi, je sais déjà quoi dire sur le jeu pour le vendre. Ça, par contre, je sais toujours pas si c'est. Dégage. Ouais, j'en profite. Wouhou! Oh, c'est sportif, hein. Non, mais l'autre, il revient. Non, mais c'est une blague. Par contre, je sais pas si les trucs volants là, c'est mes amis ou. Enfin, mes amis. Avec d'énormes guillemets, bien évidemment. Bon, par contre, il faut que j'aille là-bas. Tu es bien mignon, mais s'il te plaît, si tu peux rester là-bas. Viens là, toi. Tu l'as trouvé? Putain. Non! Au secours! Mange. Ah, c'est la caca, c'est la catastrophe, hein. Je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Mon personnage, j'ai refusé. Alors, j'ai un mec qui a vibré en continu et il s'est plus rien passé. Alors, j'appuie. J'appuie sur le bouton, il se passe rien. Attends, mais ça a bugué? En fait, si ça a vibré, c'est parce que ma manette a bugué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, pile au moment où je dis qu'il faut pas que la. La manette bug quand il y a des ennemis, la manette bug quand il y a des ennemis. Putain, c'est incroyable. On va avancer dans le jeu, hein, vous inquiétez pas. On va avancer. Hein. Alors, je vais juste faire un truc. Pourquoi t'as remonté? Hop. Voilà, il y a la manette. Surtout qu'en plus, ma manette est neuve. Hein. C'est une manette de PS5 parce que du coup, je joue sur PS5. Ma manette est neuve. Hein. Elle a genre 3 mois, ma manette. En fait, je pense que c'est surtout mon PC. Il faut savoir. Voilà, encore, je raconte ma vie, mais ça, c'est un truc. Depuis 2004. Non, 2016, je crois que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. Il faut savoir que l'un des trucs les plus connus sur mon PC, c'est que c'est un PC de merde. Mais on peut faire plus merdique comme PC. Par contre, y a pas de lézard là? Ah oui, je me disais aussi qu'il en manquait un. Oh putain. Ah oui, d'accord. Il m'a mis un coup de pression l'autre là. Putain, il arrive à grimper quand même le salaud. Hein. Parce que oui, les roses, oui, eux c'est sûr, ils grimpent parce qu'il y en a un qui m'a bouffé comme ça. Mais terrible quand même. Hop. Est-ce qu'on entend bien le son du jeu ou pas du tout? Parce que tout à l'heure je l'ai monté parce que j'ai l'impression qu'on l'entendait pas spécialement bien.
Donc maintenant qu'il y a du monde un petit peu sur le chat, si je peux avoir vos retours, ce serait incroyable. Viens là toi. Mangez. Enfin pas le lézard par contre. Dégage toi. Par contre si tu peux arrêter de faire le même truc en boucle, ce serait intéressant pour que moi je puisse continuer en fait. Tu es adorable, sache-le. Si je peux réussir à en choper un là. Y'en a là. Ah putain j'en ai un. Nickel. J'aimerais juste à rejoindre l'abri. En faisant gaffe de pas mourir surtout. Je peux pas grimper là-dessus. Non je peux pas grimper là-dessus. Tac 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 tac. Bah je peux juste continuer en fait. Merde en plus si j'appuie sur la mauvaise touche. Tac tac tac. Ouais. Ah non c'est pas ce que je voulais faire. Mon bâton. Merci. Hop. Il est trop, il est adorable. Trop mignon. Ah ça par contre c'est moins mignon ça. Profite, on m'excuserait. Je crois que j'ai pas le choix de monter tout en haut de mémoire. Ah, vous faites câlin? Il y en a littéralement un qui a disparu, hein. Je dis ça, je dis rien, mais. Je sais pas si le truc jaune il me guide. Je sais pas. Hein. Je sais qu'il faisait. Il était guide du tutoriel. Hop. Ah, putain, ouais. Évidemment. Est-ce qu'il va hiberner tout seul ou pas? Est-ce qu'il faut que j'attende la pluie? Oula! Ok, il hiberne tout seul. Nickel! Ah bah ça c'est cool! Alors si tu parles de l'espèce de tige qui vibre et qui te refait une tentacule. Alors. Je suis déjà mort de ça. Voilà, hein, c'est, je dis ça, mais voilà. La santé est détruite avec clignote lorsqu'il y a un danger de l'autre côté. La couleur du clignotement peut donner des indices sur le danger qui s'y trouve. Ok. Une espèce de grosse tentacule verticale. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire. La description, c'est très approximatif. Pourquoi j'ai plus de vie? Ah voilà, il faut que je récupère. Hein, est-ce qu'à chaque cycle, il faut que je récupère? Mais je pense en fait, c'est pas ma jauge de vie, mais c'est la jauge de ma faim, je pense. Cycle de... Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Je pense que ça va être ça, en fait. Ça doit être ma jauge de faim. Et du coup, si je récupère les 3 de plus, ça va m'en garder 3 pour après. Je crois que c'est ça, le délire. Oh non. Ok. Ça, tu me feras pas chier. Tac, tac, tac. Non, mais en fait, je vais retourner là où je suis mort tout à l'heure, en fait. Il y a l'autre con là-haut. Là. Je peux descendre en bas. Alors, je peux descendre en bas. J'ai déjà. Voilà, je vais me dépêcher. Oh, ouais, je récupère ça. Par contre, je sais plus du tout si c'est par là où je suis allé. Je crois que c'est pas du tout par là où je suis allé tout à l'heure. C'est pas du tout par là où je suis allé. Ah! Merde! Oh, putain, mais il arrive l'autre con, hein! Si je peux aller faire ce fight, ce serait incroyable. Nickel! Parfait. Comme ça, moi j'ai la paix. Mais non, mais l'autre il est monté! Non, mais il se fout de ma gueule, l'autre! Par contre, l'autre il te traque, il te lâche pas, hein! Ah, oh, c'est une saloperie, hein! Alors, ça, là... Pareil, les trucs dans le truc violet, là, en surbrillance. Ça, tout à l'heure, je l'ai remarqué. Il y a un 2 aussi qui apparaît en gros surbrillance. Je sais pas si c'est lié à un mystère du jeu, une crème comme ça. Bonjour. Hop. Enfin, je pense aussi aller chercher de la bouffe. Ah, putain.
Il va pas me lâcher l'autre. Il va pas me lâcher l'autre, enfoiré. Je vais arrêter de regarder ton live. Pas de soucis, petit chaton. Bon, bah bon jeu à toi, écoute, amuse-toi bien. Là, il y a un G, mais j'avais vu un 2 aussi. Amuse-toi bien, et puis bon jeu à toi. Hop. Là, il est là en balle 2. Et là, du coup, je suis en haut de là où j'étais tout à l'heure. Hop. Je crois que j'ai rien accès au-dessus. Par contre, je sais pas si. Attends. Ouais, c'était sûr. Hop. Oh putain, nice de la bouffe. La bouffe. Là, je peux soit monter au-dessus, soit descendre en bas. Merci le pléonasme. Hop. Ni. Ok. J'aimerais bien surtout aller au-dessus en fait. Si je peux monter le plus haut possible pour ensuite descendre à explorer, je préfère mieux faire comme ça, ce sera beaucoup moins compliqué pour moi. Putain, mais c'est une blague. Nickel. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, super, il y a une nouvelle bestiole. Ah, putain. Pourquoi il y a de la bouffe? La bouffe, ça c'est cool. Pourquoi là, clairement à droite, il y en a. Est-ce qu'ils ont peur de moi? Est-ce que les insectes ont peur de moi? Reviens là! Donc là, ça va me faire redescendre. Pas exactement ici. Merde. Ouais, bon, t'as clairement, t'es une menace. Hop. Ah, mais c'est qu'en plus il s'appelle! Ça, par contre, c'est méga stylé. C'est méga stylé qu'il s'appelle comme ça, je trouve. Putain, plein de bouffe. C'est quand même con que je meure 2 secondes plus tard. Parce que mes connaissances, ça pourrait très bien arriver. C'était pas obligatoire ça. J'essaie de retourner de l'autre côté. Par contre, il n'y a pas de pause dans le jeu. Tu peux pas mettre pause. Ah. Par contre, je pense que je peux continuer à monter. Tu vois, je pense que je vais surtout descendre. Bonjour. Ouais, t'es clairement une menace. T'es clairement une menace. Remarque, s'il est à gauche, j'ai presque envie de monter à droite. Enfin, s'il est à droite, j'ai presque envie de monter à gauche. Mais là, il me guette. Mégate totalement. Si tu peux faire pause. Oui, mais là, ça met pas le jeu en pause. C'est ça ma question en fait. Putain, encore de la bouffe. Ouais, par contre, j'ai aucune idée d'où je vais là actuellement. Si, si. Ah, ok. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, on va faire comme ça. Hein.
Nye. Je récupère ça aussi. Hop. Non. Au secours. C'est la merde. Oh, putain, mais je peux pas attendre. Je suis coincé. Je crois que je suis mort. Je vais essayer de passer au-dessus. Non. Putain. J'ai un tout petit saut, moi. Je sais pas si je peux m'accrocher à la tige des baies. Je n'ai aucune idée. Salut Hélène, coucou Lily. Wamp wamp. Wamp wamp. Bon, au moins déjà on est un peu avancé. C'est cool. Tac tac. Par contre là il y a deux chemins qui se rejoignent. En vrai, j'ai envie d'explorer le ciel hein, là-haut. Vas-y, on va tenter. Hein. Attends, 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 je récupère ça. Hop. Les deux petites pattes sur le côté. Tic, 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 tic. Bah, ça va bien, toi ? Hop. Oh putain. Évidemment. Apportez-moi la bête ! La bête. Ah non, mais non, mais y a un rose, putain. Ah, il y a deux roses, pardon. Bon. Bon, moi, il est parti, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, du coup, je l'ai rajouté, Lily. Ah bah, je voulais aussi rajouter juste la bête. Ça compense la souffrance. Je sais pas si tu connais le jeu Outer Wild, mais sache que c'est à peu près le même délire. Waouh. Vas-y, viens là. Salut. Quand j'attends à très vite me manier parce qu'il va très vite me rattraper ce qu'on a. Il y a 2-3 trucs que je voulais rajouter aussi, Lily, mais il y en a un. En fait, je pense que. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il y a des trucs spéciaux ou pas qui prend ou qui prend pas. Oula. What? Pourquoi il me montre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il montre le jaune et le bleu avec avec une baie dans les mains. Enfin, dans les patounes. Et le blanc qui dort. D'accord, mais clairement, je pense pas que je puisse faire grand chose ici. Deux. Pourquoi le 2 est client en rouge? Ah, il y a un truc là. Même j'ai découvert en regardant la vidéo de review qui explique la majorité du lore, donc bon. J'ai tendance à avoir oublié. Oula, ah merde. Parce que moi du coup j'ai fait Outer Wild avant de me spoil justement le jeu. Parce que j'ai un de mes amis qui m'a harcelé pour que je fasse Outer Wild. Pourquoi il y a la musique qui s'excite tout d'un coup là? Parce qu'il m'a harcelé pour faire Outer Wild, du coup tu as littéralement mon let's play découverte sur le jeu, avec le DLC en plus de ça. F avec des espèces. À mon avis, c'est une tête de lézard, mais par contre, à gauche, c'est des griffes. Alors, quoi ça veut dire hein hein. Oh, j'ai complètement oublié de récupérer de la bouffe entre temps. De toute façon, au-dessus là, il va y avoir de la bouffe. Hop. De toute façon, je peux pas. Ouais, non, je peux juste descendre ici. Allez, descends. Hop. Pour l'instant, c'est très tranquille. Hein. Je suis pas suivi. Ah ouais, je suis à zéro bouffe. Donc ouais, il faut vraiment que je recommence. Et, hop. Oh mais non, mais j'y étais.
Oh, mais je vais me laisser tomber là. Putain. Bon bah. Hop. Y'a personne. Merde. Hop. Je crois que c'est toi. Putain, c'est toi qui m'amène. C'est toi qui m'amène. Non, non plus. Putain, c'est celui du milieu qui me met en haut, mais c'est pas celui du milieu qui me met en haut, c'est pas possible. Nya. Nya. Je suis sûr que c'est pas mon nya que je fais. C'est pas du tout le même. Ah oui, mais faut que j'y aille en sautant. Fais... Oh, par contre, ça va être tellement, tellement chaud. Et je parle pas du pingouin. Nya. Je veux que tu me vises. Eh, si un con de lézard peut le faire, tu peux le faire. Non. Là, elle est plus attendre d'arriver, hein, je te le dis. Mais chez eux, je sais, je suis toujours méfiant, mais je sais pas s'ils sont gentils ou méchants eux. J'ai pas l'impression qu'ils me veulent du mal. Oh, par contre. Oh attends, je vais tester un truc. Ça, je peux pas m'accrocher. Non, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont l'air de me fuir. Putain, en fait. Ah oui, d'accord. Oh, de la bouffe, hein. Incroyable. Nya. Passe par la gauche, ce sera plus simple. Ouais, attends. Hop, je récupère juste tout ce qu'il y a en bouffe ici. Nya. Elle est trop mignonne, la bestiole. J'adore. Adorable. Donc, passe par la gauche. Hop. Putain, il y a toujours l'autre insecte là. Ah oui, mais déco. Oui, du coup, ça va juste me faire une boucle ici. Par contre, je peux pas sauter pour aller là-haut. Ah si. Ah putain, nickel. Encore avec t'es là parce que j'aurais réfléchi pendant longtemps. Hop. Nya. Voilà. Oh, la bouffe. Quel goinfre. Oh putain. Hop. Nya. Je m'amuse maintenant que je suis là. Ah bah amuse-toi. C'est fait pour. Bon, il y a toujours les bestioles au-dessus. Bon, je peux les esquiver en restant en dessous d'un truc. J'ai cru avoir la pression de tout à l'heure. Ah putain, mais il s'est pas posé là, il s'est craché. Ah ça c'est dégueulasse par contre. Allez. Merci Nopanadrow. Non, pas Nadraus. Putain, t'as un S à ton truc. Ton pseudo. Merci pour ton follow. Ah oui, du coup, Lily, regarde si t'es toujours abonné avec Prime ou pas. Toi qui m'avais demandé de t'y refaire penser. Nya. Nya. Anya! Vas-y, viens te battre! Ousse! D'accord. Ouais. Bon, on va aller chier loin tous les deux. C'est une bien étrange énergie. Quoi? D'accord. Je suis pas sûr de bien avoir compris ce qui vient de se passer.
Pourquoi est-ce que ça a changé mon truc? Putain, plus il y a la pluie qui arrive. Ah! On va se manier le cul. Salut! Désolé, je te saute dessus. La tentacule, par contre, elle est pas normale. Hein. Je l'ai vu, la tentacule, là, qui... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hop. Ah non! Merde! Putain! Je voulais juste... Je pensais pas qu'il allait décaler sur la gauche comme ça. Oui, c'est ce que je suis encore. Ok, pas de soucis. Ouais, pourquoi il y a le... Oh, c'est à dire qu'il faut que je retourne chercher le bordel. Prédateur bloque le passage pour être vaincu. Ah, qui bloque le passage, pardon, peut-être vaincu. Nombreuses tactiques. Tu peux créer une distraction, l'attirer plus loin en faisant du bruit, déployer un sacrifice qu'il pourra manger à ta place. J'ai une pub au moment de la mort. Ah merde! Mais le problème, c'est qu'en fait, les pubs, je ne les contrôle pas. Parce qu'en fait, à la base, je n'ai pas activé l'option des pubs. Et en fait, c'est Twitch qui met tout seul les pubs. Donc je suis sincèrement navré, mais je ne sais pas comment les retirer, les pubs. Parce qu'à la base, ce que j'aurais voulu faire, en fait, c'est retirer les pubs pour moi-même mettre des pubs, en fait. Le souci, c'est que je ne sais pas du tout comment retirer le fait que Twitch puisse les mettre. Bon, j'ai toujours ce symbole au-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Tac, tac, tac. Oh, putain, j'ai pas vu qu'il y avait une entrée là. Ah la vache, vas-y go. Attends, tac, tac, tac. Les deux petits pattes arrière, je récupère ça, merci. On est à combien? 37 minutes ça. L'ardif, ok. Attends, j'ai pas du tout au bon endroit là. Pas du tout, je suis à le côté. Ah merde, j'ai lancé mon bâton. Quelle tristesse. J'ai une chaussure dans la main là. Putain, en plus c'est un rose. Et il y a un verre devant. Nickel là-bas, putain qu'ils sont smart. Ah, il grimpe quand même le verre. Hein. Oh les petits fumiers. Ah par contre le rose, non, reste pas là, c'est chiant si tu restes là. C'est pas contre toi, mais c'est quand même un petit peu chiant que tu restes là. Ah si, c'est bon, ils arrivent, ok. Par contre, c'est au pire, vous pouvez vous fight, c'est incroyable. Pourquoi t'es passé par où, toi? Putain, il a pris un chemin que je connais pas, l'autre con. Enfin, l'autre con. Ouais, par contre, je sais toujours pas s'ils sont gentils ou méchants. On va les suivre, dans le doute. Ah. Ça, par contre... Moi aussi, je me fais suivre. C'est pas cool. What? Oh, putain. Bah, j'attends à très vite me barrer par là. Parce que du coup, j'imagine qu'il va me suivre maintenant, le rose. Hop. Yeah. Non! Hop. Tu peux te... Merci. Ah mais non, mais j'y étais. Pareil, si je peux en choper un. Oh putain. Voilà. J'ai voulu me retourner pour pouvoir balancer un truc pour choper une chauve-souris. C'était pas ça que je voulais balancer. C'est pas grave. Ah vas-y, je peux l'avoir. Reviens là. Là, je suis pas doué comme chat, moi, je vous le dis. Hein. Vas-y, viens là. Viens là. Viens là. De belles surprises. Vas-y, mange. Voilà. Hop. Ah, du coup, l'autre chauve-souris.
C'est barré. Oh non. Ça c'est vraiment pas cool par contre. Putain, mais où est-ce qu'il passe? Ça fait deux fois que je vois. Enfin, deux ou trois fois que je vois un lézard se téléporter. On y aller doucement. Hop. Mais non! Tellement dur! Et je parle pas de ce que vous pensez, bande de dégueulasses. Nye. D'accord, nickel. Nye. Bah ben voilà. Bah réglé. Tant que ça m'a pas bouffé une fois, c'est gentil. Du coup, le jeu est sympa. Bah franchement, j'aime vraiment beaucoup le jeu en vrai. Il est tranquille, mais. Tu vois, c'est un jeu qui, je pense, peut être très oppressant. Mais du coup, moi, je passe quand même un bon moment dessus. Il m'oppresse pas tant que ça. Mais après, moi, j'ai un problème avec les jeux d'horreur. Ça n'a pas spécialement l'effet escompté sur moi, les jeux d'horreur. C'est mignon, c'est un jeu mignon, adorable. Mais surtout un jeu de survie. Ton but est vraiment de survivre en fait à tout ce qui se passe parce que tu te fais au one shot partout. Ah, putain, des chauves-souris. Hop, je récupère ça. Merci. Mais le jeu, franchement, le jeu est incroyable, je trouve. Wouhou! Ça, par contre, c'est pas du jeu, ça. Ah bah oui, j'essaie de les esquiver comme je peux, mais pas évident. Mais non, mais accroche-toi, par contre, s'il te plaît. Fais un effort. Non, mais... Non, mais il se fout de ma gueule. Allô? Merci. Mais là, mais tu t'es accroché tout à l'heure, bah alors. Putain, mais j'ai pas vu que j'avais une chauve-souris dans l'autre main. Hop. Il a quand même du mal parfois. Après, je pense que c'est moi qui ai pas encore totalement les contrôles en main. Je sais pas pourquoi je me fais chier à aller là, je pourrais totalement aller de l'autre côté. Fous-moi la paix. Wimp wimp. Wimp wimp. Tu t'es cogné la tête. T'as perdu des neurones. Aïe. Hop. Ah putain. Quand tu veux. Merci. Mais putain, mais accroche-toi, tu t'es accroché tout à l'heure. Mais putain... Je me fais pas respecter par un putain de chalimas, quoi. Attends, hop. Fais attention à sauter un peu plus bas des poteaux, car sinon tu déconnes la tête au-dessus. J'ai pris un peu trop longtemps à l'apprendre. Quand il y a un solide au-dessus. Oui, oui, non, mais je me doute, oui. Je me doute, oui, c'est... Mais en fait, le souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'accrocher, en fait. C'est surtout ça, en fait. Mon problème, c'est que... Une fois sur quatre, j'arrive à m'accrocher, et puis 4 fois sur 5, bah, j'y arrive pas du tout. Et oui, mon équation n'a aucun sens, je sais. Non. Ah. Mais quel salopard. Au moins, c'est cool, ils font pas de dégâts, c'est ce que je me dis. Moi j'ai pas l'impression qu'il fasse des dégâts. Je peux passer, merci. Le mec il m'a shooté. Quand tu veux pour, merci. Non. Mais putain, mais c'est tellement dur. Pourtant c'est juste une putain. Ah mais j'ai une chauve-souris. C'est une putain de touche, quoi, bordel! Enfin, deux, techniquement. Ah, beaucoup de lance, soit une bien des mots. Mais après, le problème, c'est que pareil, la visée, bon, c'est pas. Bon, après, j'ai envie de te dire, s'il est vraiment à côté de moi, oui, le toucher, c'est pas. Voilà. C'est pas déconnant non plus, mais. Oh putain, yes, enfin!
Il manquerait plus que cette espèce d'insecte là revienne pour me donner un coup, pour me dégager. Oui. Ok, donc je suis de retour aussi. Par contre, il n'y a plus le... Il n'y a pas le truc d'énergie là. Ah, c'est plus emmerdant ça. Clairement, je vais reprendre ça. Pff, oh, les nuls. Bonjour. Oh, oh non. Si je regarde vite fait en bas, ça m'amène où? Oula. Ah oui, d'accord, c'est un insecte. Merde, je voyais pas ce que c'était. Donc, t'as quand même des dégâts dessus, t'as mine de rien. Pas de chuter de trop non plus. Ah, par contre, il y a un abri en bas. Oh, par contre, il y a un abri en bas, ça m'intéresse comme nouvelle. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour l'atteindre. Parce que du coup, là, je sais pas si c'est profond ou pas là en dessous. J'ai pas spécialement envie de tenter. Ah merde, d'accord, donc je suis obligé de. Ok. Comme ça, elle l'a passé par là. Hop. Je suis full... Ouais, je suis full bouffe, je suis full bouffe. C'est cool, le truc jaune, il me donne des indications quand même. C'est parce que là. Attends, mais il a attrapé. Il est en train de bouffer quelque chose, le vaisseau là. Il y a quelque chose dans la gueule. Ah, d'accord, il y a des explosifs en plus. It's time to do. Il me fait peur, Lily. Il me vraiment fait peur, Lily. C'est pas vrai. Oh, jamais être qui vibre, il va pleuvoir. Putain, j'ai très vite ouvert un abri. La question c'est est-ce que je peux. Oh. Faut que j'y réfléchisse très très vite à savoir si je peux tomber ou pas. Là, j'ai très envie de tomber en bas, mais le pro. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. J'ai entendu un boom. Et je vois qu'il est toujours en bas. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je meurs vraiment si je tombe ou pas? Ou est-ce qu'il y a un truc pour m'attraper? J'ai envie de tester. De toute façon, la manette vibre, donc il va bientôt pleuvoir. C'est plutôt de te faire peur. Bah, c'est GG, t'es réussi. Ah! Ah, sors de là! Putain, coup de lance. T'as quel? Ah putain. D'accord, il aurait fallu que je tombe directement à. Pourquoi il y a un truc qui brille en haut à droite là? Il y a un truc qui brille en haut à droite. Je sais pas ce que c'est. Donc dans ce trou, je peux y aller, mais il faut que je fasse gaffe à aller full droite quand je tombe. Pour être sûr de pouvoir me dégager de ces herbes. Mais du coup, ça veut dire qu'elle est où la, l'espèce de gemme là? L'espèce de graine, je sais pas ce que c'est. Elle est là-haut, ok. Faut que je retourne là-haut. Putain, il faut que je retourne là-haut. Quel enfer. Normalement, j'ai mis le truc jumpscare exprès, hein, normalement, Lily, hein, si tu veux me faire peur. Hein. Par contre, il va te coûter des points celui-là. Toi qui payais d'avoir trop de points. Là, tu vas en perdre des points. En plus, normalement, j'ai mis un bon jumpscare. Ça, à un moment, on va y avoir Silent Hill 2, mon pote. Ah non, mais dégage-toi, par contre. Ah bah d'accord.
Par contre, là, il y a un violet, un rouge. Ça, je suis moyen fan, par contre. Voilà pourquoi je l'ai pas fait. D'accord. On me dit pas qu'il arrive. Je vais me faire prendre un sandwich, putain. Ouais, non, mais je suis mort. Putain, mais tu vas où, toi, con de lézard ? J'attends très très vite me manier le cul. T'as le lézard, il en a rien à foutre du verre, hein, c'est. Putain. Bon, moi j'ai échappé aux deux cons. Ensuite, c'est où ? C'est dans le tuyau. Ok, faut que je passe dans le tuyau. Hop. Ni. C'est quoi là-bas ? Putain, y'a vraiment un scarabée là qui vient de sortir ? C'est pour me dire. Le scarabée, il est là en mode. On t'attend. Putain, le salaud. Ah bah évidemment. Après on m'aurait étonné. Loupé, ah, t'es mauvais. Par contre le deuxième là il m'attend. Loupé, ah, t'es mauvais. Par contre si le deuxième il bouge pas, moi je suis preneur. Hein. Je crois qu'il me fuit. Hein. Attends mais je peux pas encore monter au-dessus. Attends, y'a quoi au-dessus? J'aurais bien voulu attraper une chauve-souris. Par contre, déjà, je crois que je peux pas y aller. Clairement pas. Tac tac, de toute façon là, je peux rien faire ici. Ah non, je peux rien faire ici. Mais ça sera plus tard si je débloque un saut, une corde comme ça. À combien 53 minutes ça. Je suis combien ? Je suis faux bouffe ou je suis pas faux bouffe ? Je suis pas faux bouffe. Hein, par contre, ils sont chiants à avoir les trucs à côté d'eux. Au pire, si vous pouvez tomber, ça m'arrange. Nickel, parfait. Je pouvais pas demander mieux. Là, par contre, il faut que je fasse pareil. Ni. Maintenant, il faut que j'arrive à. Oh, c'est trop bien si je peux tomber doucement comme ça. Bonjour. Bonjour. Par contre, le lézard, il compte pas bouger, là? Sérieusement? Ah si, mais le lézard, il est pris avec les... Ah. Mais là, c'est quoi le truc au bas qui brille? Parce que du coup, c'est le truc où j'étais, où il y avait le truc qui brillait. Par pitié, il manque le lézard. Ouais, ça va, il est plus là. Non, c'est pas ça que je voulais manger, mais c'est pas grave. Ah putain, mais je reconnais cet endroit. Putain, mais oui, mais là, je peux pas remonter, là.
J'ai un problème, je suis coincé. Ça va presque qu'il va pleuvoir. S'il pleut. Le problème, c'est que je suis beaucoup trop loin pour atteindre. Je sais pas où est-ce qu'il y a un abri en fait. Eh bah ouais, il pleut. Bah ouais. Ah non, mais ma manette, ça, putain! Ouais, bah le problème c'est que je suis totalement baisé en fait. Je suis totalement coincé. Non, par contre, la manette, tu fais chier là. La manette Putain. Ah oui, mais une manette est pas connectée. Hein. Bah oui, bah, je suis mort de ça. Après, donc, en fait, j'aurais bien voulu mourir en me sortant de là. Ma manette vibre, ça la déconnecte. Ça n'a aucun sens. La manette, s'il te plaît, oh. J'ai gardé pour les grandes occasions. Putain, au moment où je vais faire un jeu d'horreur, il va faire péter le screamer, je viens de comprendre. Et par contre, comment je fais pour sortir de la cuve? Est-ce qu'elle est toujours dans la cuve ou pas le truc? En vrai, ça c'est surtout la question que je me pose. Parce que si elle est plus dedans, ça veut dire qu'il y a vraiment pas moyen de s'en sortir. Ah, putain, elle est dedans. Alors comment je peux faire pour sortir de là? De toute façon, il est 57, je pense que je vais faire...